Oui, mets-toi juste à côté, mon cœur. Venez vous mettre ici. Oui, laisse le bon tirer. Mettez-vous ici. Là. Assieds-toi là. Ah, vous nous refusez où vous croyez. Oui, ici, oui. Tu vas faire du bruit pour mon. Okay. Non, 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 ça avait, je l'ai mis mon iPhone, je l'ai mangé. Warios, Warios. Oui, je l'ai lancé, moi, mon Dieu. Warios, Warios, Warios. Soutien à Warios. Soutien total à ma Warios. Bonjour, 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 bonjour. Soutien total à Warios. Tu restes là, d'accord? Ne bouge pas de là. D'accord? L'iPhone, alors je ne sais pas partager. Warios. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que je me réveille. Il est quelle heure là? 13h. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Veuillez partager le live, s'il vous plaît. Bonjour les abeilles choux. Je cherche comment on partage. C'est parce que je suis. Maman. Je cherche comment on partage. Non, tu n'as pas moi enregistrer. Comment on fait? Partager. Partagez le live, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Non, tu as. Attends, on fait comment? Je voulais copier la vidéo, aller mettre sur ma page officielle. Oh, copier. Je sais, c'est ça qu'elle cherche. Papou, enlève les pieds sur la table. Vous avez fait tomber le téléphone. Non. Sur une page? Oui, partagez sur une page. C'est laquelle des pages suivantes? Tu choisis ta page. Cherche ta page. Je choisis. Non, il faut que je trouve. Et moi, rentrez-moi à mon téléphone d'avant, franchement. Déjà, des téléphones, si là. Toujours en train de me renseigner comment on utilise. Madame, je ne suis pas trop. Tu es Samsung, non? Je ne suis pas trop iPhone, hein? Je voulais faire copier-coller, non? Oui, tu peux déjà fais. Partager. Mais je ne sais pas moi comment. Tu ne sais pas, n'est-ce pas? Oh là là, comment on fait? Il faut que je partage sur ma page. Oh my god. Vous voyez, quand je ne suis pas à la maison là, c'est un peu compliqué pour moi de faire le live. Papa! C'est même pas ça, mais c'est que en fait. Hein? Connecté. Attends, je veux voir comment je fais. Les gens qui utilisent le téléphone, si la qualité du téléphone, c'est vraiment. Maman. On donne les mains, si elle fait ça partager. Maman. Qu'est-ce qu'elle a fait, mamie? Elle a rien fait. Mamie, elle a fait quoi, chérie? Donc, si tu veux comme ça. C'est ça. Ok. Je. Nancy. Taxi. Je Nancy. C'est ce qu'on t'a dit. C'est ce que tu as dit ou pas? Est-ce que c'est ce que tu m'as demandé? J'ai pas encore fini. Alors. À vous? Je préfère la robe. Il va falloir quelqu'un qui utilise. L'appel. J'aimerais bien que quelqu'un qui utilise l'iPhone. Me montre un peu comment on utilise ça en fait. C'est un téléphone, c'est bien, hein? Mais sans vous mentir, c'est un téléphone qui ne m'impressionne pas. Et voilà, j'ai trouvé. Un dernier 14 Pro Max comme ça, mais tellement ça me. J'ai du mal à l'utiliser.
Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour mes cœurs. Bonjour les abeilles choux, ça fait un moment, vous ne me voyez pas, je suis là. Je suis là, c'est juste que je n'étais pas en forme. Je n'étais pas en forme. Bonjour maman Prestige, la classe. Bonjour FF Magina à vie. Aimé Fautine depuis l'Angleterre. Bonjour à tout le monde. Je sais que vous allez bien. Moi, ça va de bon début de semaine, surtout à vous. Je suis là pour vous dire que je vais bien. Et surtout, ça fait déjà 3 jours que influenceuse, blogueuse d'État, Elisabeth Degrémont, dit la Warriors, bouffe. Maman. Bouffe le Njangi sur les réseaux sociaux. Elle bouffe le Njangi. Et son Njangi, tu cotises beaucoup. Tu bouffes beaucoup. C'est ça la loi de Facebook. Tu cotises beaucoup, beaucoup. Tu bouffes aussi beaucoup, beaucoup. Là, elle est en train de bouffer son Njangi. Mais seulement la façon dont on lui fait bouffer son Njangi n'est pas normale. Il y a l'injustice dans la façon qu'elle bouffe son Njangi. Il y a injustice. Et je suis là pour dénoncer et pour crier mon ras-le-bol par rapport à ça. C'est une warrior, c'est vrai. Elle sait se défendre. Elle se défend très bien. Elle se défend même très très bien. Je n'en disconviens pas. C'est l'expert des abeilles. Elle et moi, c'est balade ensemble. Aujourd'hui, demain, après-demain, on est ensemble. Ça rame là. Ça ne chauffe pas. Si ça rame, ça rame. Demain, on est encore ensemble. Ça ne chauffe pas. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Oui, mon cœur. Je ne suis pas d'accord pour la façon dont on lui fait bouffer le Njangi. Oui, son Njangi n'est pas bon. Vous comprenez? Elle est en train de bouffer le Njangi. Tu cotises beaucoup, beaucoup. Tu bouffes beaucoup, beaucoup. Mais seulement, je vais parler à ces détracteurs. Vous êtes lâches. Parce que vous venez l'attaquer tous au même moment. Venez one by one. Vous laissez l'espace une semaine chacune. Qu'est-ce qu'il y a que vous vous remettez? Vous tombez sur elle en groupe. Elle vous traite correctement et bien. Je suis là pour lui envoyer mon soutien. Elle dit, Wario, tu n'es pas seule. Tu es une Wario, tu es une influenceuse, blogueuse d'État. Si on t'a rapatrié de ton pays, comme tu le dis, tu étais au Cameroun, on t'a rapatrié en 2 jours. Qu'est-ce qui peut encore t'intimider? Mais j'aimerais dire à ses adversaires que ne venez pas tous au même moment. Parce que ça, c'est être lâche. Ça, c'est de la lâcheté. Laissez-la dormir. On bouffe le Njangi, on se repose, on revient, non? Sur Facebook, on bouffe, tu bouffes ton Njangi, c'est sa semaine de bouffer. Moi, je ne refuse pas son Njangi, hein. Je ne refuse pas, elle bouffe son Njangi, seulement elle est rémunérée. Laissez-la qu'elle bouffe correct. Donc, elle bouffe, mais vous la laissez dormir. Elle se réveille, elle vous répond. Elle n'a pas besoin d'aide de quelqu'un. Et je ne suis pas là au renfort, parce qu'elle n'a pas besoin de mon renfort. Je suis le grumier. Mais là, elle n'a pas besoin. Ceci dit, dans la vie, quand quelqu'un t'héberge, même si c'est une nuit, il faut respecter les une nuit. Elle héberge sa copine. Sa copine de longue date. Sa copine qui était devenue comme une soeur pour elle. Sa copine d'Aqua. Sa copine de la vie. Où tu ne sais pas, y a un charme que ça. Pour ne pas se pardon, laisse d'abord l'eau. Elle a hébergé sa copine. Ils ont eu des histoires. Elle a eu pitié encore de sa copine. Elle a encore réhébergé. Est-ce que c'est une bonne intention d'entrer chez quelqu'un et de filmer et garder? Dans quel but? Dans le but de salir, dans le but de faire du chantage. Oui, ça c'est du chantage. Dis-moi, comment tu peux être bien avec quelqu'un? Tu arrives, nous sommes des femmes, nous sommes humains. Tu peux entrer chez moi, j'ai bien arrangé mon salon, mais dans ma chambre, mes habits sont tchac par terre. Toutes les femmes font ça. Oui, j'ai enlevé mon caleçon, j'ai... Oui, toutes les femmes sont un peu bordéliques. Mais est-ce que c'est important de filmer pour garder?
Toi, sa copine qui a filmé. Toi, on ne te connaît pas. Tu es sa soeur, tu es comme membre de sa famille. Mais c'est elle qui est connue, c'est elle qui est sur les réseaux sociaux. Nous aimons bouffer notre njangé entre nous, les gens de Facebook. C'est là où ça ne chauffe pas. Tu n'es pas connu sur les réseaux. C'est pas à toi de lui faire bouffer le djangui, non? Son djangui doit être donné par une blogueuse comme elle. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas gagnante dans son djangui. Elle n'est pas gagnante. Elle gagne dans, donc elle vous gagne dans tous les fronts. Je ne suis pas hypocrite. Je n'ai pas peur de Warriors. Vous connaissez elle et moi. Je suis elle qui, je suis celle qui est entrée chez elle. Je suis la seule qui l'a affrontée en vrai. Je suis allée chez elle. Je n'ai pas dit que je l'attends ou bien l'enganda. Moi, je ne fais pas l'enganda, moi. Moi, je ne bois pas. Je ne traîne pas l'enganda. Je suis celle qui est sortie à 5 heures. Je suis allée squatter devant chez elle. J'ai gardé ma voiture. J'ai squatté là-bas jusqu'à... Je suis partie à 5 heures. J'ai attendu jusqu'à 6 heures. J'ai sonné chez le voisin. Je suis montée chez elle. Je suis même passée au tribunal. Je suis entrée chez elle, moi. Je suis entrée chez elle. Tout le monde s'est mis contre moi. Ça m'a fait quoi? Je suis entrée chez elle, non. Elle s'est bien défendue. Elle m'a tordu la main. Elle m'a tordu la main. J'ai porté le ringing. J'ai dosé ça sur son front. J'ai dosé. Elle m'a mis le piment dans les yeux. J'ai lavé mon visage. Mais seulement en sortant, je suis descendue. En partant, j'ai pris sa poubelle. Et regardez un peu le geste qu'une personne peut faire. En partant, j'ai dit, j'ai vu, j'étais allé laver mon visage, j'ai vu les poubelles, j'ai dit, donne-moi tes poubelles, je vais te jeter ça en bas. Alors que c'est une agressée, j'ai fui. Avant que la police, moi, m'a seulement appelé, j'étais en Suisse, j'ai fui même, j'ai quitté la France, j'allais me réfugier en Suisse. On m'a appelé, je suis venu me présenter. Donc, je vous prends un peu, regardez un peu le contexte. Moi, Fleur de Lille. Moi, la Mafo. Elisabeth Desgremont, ce n'est pas une personne qui est facile. C'est une personne qui a la grande gueule. Et quand elle t'insulte, tu peux aller tomber là. Elle n'a pas de limite. Alors, elle n'avait pas eu de limite. Je suis entrée chez elle. Parce que t'es prête que c'est un gâtage-go. Pas les conneries que vous faites sur Facebook là. Vous parlez seulement, vous mettez vos caméos partout. J'étais prête. Parce que je suis une roubaisienne. Je suis une roubaisienne. Je suis gauche chez elle. Mais en sortant, j'ai fait un geste de porter sa poubelle. Malgré que je suis limite, j'ai porté sa poubelle. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu la signification de ce que j'ai fait? J'ai porté sa poubelle. J'ai dit, donne-moi tes poubelles, je descends avec. J'ai porté. Je suis partie, j'ai jeté dans le bac à ordures, j'ai continué mon chemin. Au fait, c'était pour vous dire que quoi? Quand tu entres chez quelqu'un, tu trouves qu'il y a un truc qui ne te plaît pas. Mais tu nettoies. Moi, j'ai eu des copines ici à Paris qui m'ont insulté. Ce sont elles qui ont porté mon nom. Allez avancer. Quand j'entre chez mes copines, hein, je lave les assiettes. Je fais le ménage. Moi, je ne me comporte pas que je suis star. Parce que je suis star. Là-bas, chez les inconnus, chez les gens qui me regardent. Mais j'ai une vie privée qui est, je suis la personne Flor Kenkam. Je vais chez mes copines. Hein. Je vais chez mes amis, je lave les assiettes. Je lave le sol. Je prépare. Toi, sa copine, tu es entrée chez elle. Tu as trouvé que c'était ça. Pourquoi tu n'as pas nettoyé? Et toi, tu es une sale fille. C'est toi qui es sale. Moi, je ne peux pas dormir dans une maison où il y a les asticots. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. C'est toi qui es asticot. C'est toi qui es copine. C'est toi qui es Eve asticot. Qu'elle ait dit n'importe quoi sur quel qui est. Parce qu'après réflexion, c'est toi qui es sale. Tu ne peux pas entrer chez ta copine. Tu trouves que c'est sale. Tu filmes, tu gardes. Tu filmes, tu gardes. Mais tu dors. Quand tu as filmé, excuse-moi, j'ai une question à te poser. Quand tu es entré chez elle, tu as filmé la cuisine avec les asticots. Ce jour-là, tu as mangé. Comment tu as fait? Tu es allé te coucher là où, dans le salon, tu as laissé la cuisine, les odeurs. Tu as laissé la cuisine. En été, on descend les poubelles tous les jours. Parce que les asticots, à partir du troisième jour, deux jours, il y a les asticots. Parfois même une nuit. Parfois même une nuit. Ça veut dire, en été, on descend les poubelles. C'est la bouffe africaine. Il y a la bouffe africaine. Les Africains mangent les...
C'est la bouffe africaine. Ils ne trient pas, ils ne font pas le tri. On descend les poubelles tous les jours. Alors, tu es chez quelqu'un qui fait la cuisine, qui a le nganda. Ça veut dire qu'il y a les poissons, les viandes fraîches, les trucs qui sont qui dans la poubelle. Excuse-moi, la fameuse personne qui a filmé, tu crois la voix souillée? Mais j'aimerais dire que c'est toi-même qui as souillé. Ça montre à quel point, vous, cette fille-là, vous vous mettez sur les réseaux sociaux, vous vous filmez, vous mettez le filtre à tard, vous êtes belle, vous marchez là-dehors, mais vous dormez dans la poubelle. Vous dormez dans la... Ça dit que dans... je ne peux pas vivre dans une poubelle. Ce n'est pas possible. Même le porc ne vit pas. Mais c'est trop sale. Mais tu es sale. Tu es très sale. Comment tu peux vivre dans cette saleté? Dans tout ça, tu as filmé, tu as gardé. Nous sommes les femmes. Moi, je vois ma lune. Je me couche quelque part. C'est un accident, ça peut arriver. Que tu te couches, tu ne te protèges pas bien. La nuit, ça déborde. Comment tu peux filmer les menstrues de ta soeur? Qu'est-ce qui prouve que c'est elle? Elle est dos au salon, peut-être c'est toi-même. Tu n'as pas bien protégé, ça a sali. Est-ce que c'est étrange? Pourquoi vous voulez toujours extrapoler les choses comme si vous souillez les gens alors que ce sont des choses qui sont normales dans la vie? Tu peux t'asseoir là, tu t'élèves. Ça reste sur la chaise. Pourquoi vous faites comme si c'était un truc? Voilà les draps, il y a les taches. Dites-moi quelle femme n'a pas encore eu les taches sur les draps? Sur cette terre. De l'âge où on commence à voir le way. Jusqu'à l'heure où tu t'as où ça s'arrête. Quelle femme n'a pas encore cette jamais assise comme ça, se lève, que ça a débordé. Tu demandes même le foulard à quelqu'un que ouais, pardon, trouve-moi quelque chose. Ou bien tu laves même, tu reportes. Moi je me souviens quand j'étais à l'école et tout, parfois tu vois une fille attachée, quand tu attaches, quand elle attache, elle a le pull comme ça là, ça veut dire que c'est la période. Même quand il n'y a rien, elle attache le pull parce qu'elle se dit que si elle s'assoit, elle se lève, tu vois, c'est un truc de... Mais attends, ça veut dire que Wario, c'est une femme qui répond encore. Parce qu'il y a des femmes qui ne voient même pas, qui n'ont jamais vu leur menstrue. Les personnes comme les Lolo Pipi, là. Les personnes comme les Lolo Pipi. Chacun... Lolo Pipi, c'est une chèvre que... On la prend à tout moment sur Facebook. Parce que cette semaine, veut gagner l'argent avec elle. Seulement, elle n'apporte même pas grand-chose. Quand je finis de faire le direct sur elle, tu vois même qu'elle n'a même pas apporté grand-chose. Mais on va signer là-bas, Balata. Coca, enlève ta rigole. Soutinette. On va seulement signer sur elle. Balata. On va gagner les dons sur elle. Sure. Oui. Le pipi n'a où? Elle peut parler quoi? Elle est en Suisse. Moi, elle veut venir défendre la baronne. Moi, je m'en vais aux États-Unis. Donc, quand je suis assise à Los Angeles, direct sur direct, Lolo Pipi, direct sur direct, puissance internationale. Donc, je vais faire comme Bob, je vais seulement parler que d'elle et ses alcooliques. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, vous ne payez pas mon loyer. Je vais payer mon loyer avec son nom. Ça ne chauffe pas. Quand ma copine finit de payer son loyer, moi, je paye moi. On va travailler ses dos avec son nom. Vous croyez que, parce que Lolo Pipi dit qu'elle ne nous répond pas, on va seulement que lui parler. Elle a le Njangui à bouffer. On revient sur Warius. Donc, ma. Donc, je voulais appeler, je voulais faire un appel à Eva. Eva, tu as toujours été là. Tu es la meilleure confidente de Warios, de la veuve. Tu es sa meilleure confidente. Ça veut dire que si moi j'appelle la veuve, elle te dit enregistre-moi un peu Flo là, c'est normal. C'est pas étrange. Tu es son amie. On est sur Facebook, tous les coups sont permis. Est-ce que c'est ce qu'elle va me faire demain? Est-ce que c'est ce qu'elle va lui faire demain? Facebook, c'est les sans confiance. Facebook, c'est les Njangika, hein? Ça tourne à gauche aujourd'hui, demain c'est à droite. Donc, si elle enregistre tout le monde, c'est parce que tu es sa confidente, c'est tout à fait normal. Je suis assise là, j'ai ma petite soeur là. Je lui dis que enregistre-moi telle. C'est normal, c'est pas étrange, c'est l'enregistrement. Et alors, qu'est-ce que je peux bien dire sur quelqu'un qui ne peut pas assumer? Donc, ça là, ça ne peut pas nous faire avoir, être en désaccord. Je la connais,
Je sais comment elle est. Toi, qui est Eva, qui disait qu'elle t'a amenée sur Facebook depuis des années, mais ça n'empêche pas que c'est toi qui pars chez elle. C'est toi qui as besoin d'elle. Tu ne peux pas nous dire que oui, c'est qu'elle t'appelait tous les jours, elle t'appelle, tu n'es pas obligé d'aller chez elle. Moi, je fréquente Warios, c'est-à-dire la fréquente, je l'appelle de temps en temps, je lui dis bonjour de temps en temps, mais ce n'est pas une personne que je fréquente qui part chez elle. Non? C'est une personne que je la fréquente. Bonjour, tu vas bien, quand c'est important. Mais ce n'est pas une personne que je vais aller chez elle et rester là-bas, m'asseoir. Je ne dis pas que je n'irai jamais. Je peux commander mon missing là, je dis que viens, donne-moi ça en bas. Ou bien ça peut arriver qu'elle parte là-bas. C'est toi qui avais besoin d'elle. C'est toi qui avais besoin d'elle. Parce que malgré alors le fait qu'elle t'avait amené sur Facebook, j'avais entendu ce nom. Mais comment se fait-il qu'elle t'appelle, tu débarques encore chez elle? Montre-nous là où elle est chez toi. Hein? Montre-nous un peu là où elle est chez toi. Savez que c'est toi qui avais besoin d'elle. C'est toi qui as toujours eu besoin d'elle. Elle a ses enfants. Elle a ses amis. Est-ce qu'il faut forcément être avec quelqu'un 24 sur 24 pour qu'on nous prouve l'amour? Est-ce qu'elle a manque d'amour? Est-ce qu'elle a manque de, je ne sais pas, de tendresse? Elle a ses enfants, elle a ses petits-enfants. Montre-nous là où elle est chez toi. C'est toi qui pars chez elle. Donc tu ne peux pas dire qu'elle t'a insulté. Non. Quand vous êtes sur Facebook, le game là, parce que vous êtes, comment on va dire, en guerre, tous les coups sont permis. Tu connais comment elle est. Ça veut dire que moi, je t'accuse plus toi parce que tu connais la personnalité de ton ami. Donc, qu'est-ce qui peut te surprendre? Qu'est-ce qui pouvait te surprendre que tu la connais? Donc, c'était à toi de faire attention. Est-ce qu'il y a un endroit où elle te filme pendant que tu es dans une mauvaise posture où tu es en train de taper le départ? Non. Est-ce qu'elle t'a filmé dans les moments où tu es en train de taper le départ? C'est toi qui étais chez elle, c'est toi qui as mené les différents gars. Si elle était mauvaise, aussi mauvaise, elle t'aurait filmé dans les positions de la gnasse. Parce que tu as mené chez les hommes chez elle, qui t'ont gnasse, qui t'ont combo là-bas. Elle t'aurait filmé pendant que tu es en train de combo. Parce qu'après le tapage du coup, parfois la tête, parfois on fait du n'importe quoi. Elle pouvait te filmer. Tu n'as pas été gentil. Tu penses que c'est parce que tu as publié. Les gens, il ne faut pas dire que je suis en train de supporter Warios. Oui, je lui donne mon soutien. Je la supporte. Quel que soit ce qu'elle a fait avec Eve. Je la supporte parce que Eve connaît le fonctionnement de la personne. Donc, elle n'avait pas, elle ne peut pas dire qu'on l'a amenée sur Facebook. Après, il se revoit encore l'amitié. Moi, j'aimerais que, en guerre, tous les coups sont permis. Eve s'est défendue parce que ce sont ses balles qu'elle a. On ne peut pas lui interdire. Ce sont ses balles. Elle a sorti ses balles. Maintenant, comme c'est ta copine, nous savons tous que demain, vous serez encore ensemble. Allez vous arranger et vous nous fichez la paix. Ça sert à quoi? L'appeler toutes les personnes qui ont eu les problèmes avec elle et commencer à dire que, oh, Astiko a fait que non, elle n'est pas ma Astiko, jamais. C'était sa cuisine, mais c'était sa cuisine dans un moment où elle a laissé quelqu'un chez elle. Mes chers frères et sœurs, quand tu héberges quelqu'un chez toi, quand la personne arrive, le minimum c'est de faire quoi? Tu ne payes pas le loyer, nettoie, tu peux quand même nettoyer. Tu nettoies pas, tu dégages. Moi je comprends même pas, elle vous héberge, je ne sais même pas, elle héberge. Un jour, je suis allée sortir quelqu'un chez elle. Je suis allée là-bas enlever une personne qui ne voulait pas partir. Elle passe son temps. Ce n'est pas parce que tu as deux chambres chez toi que tu veux héberger toute la nation veuve. Tu ne peux pas. C'est pas parce que tu as deux chambres chez toi. Il y a des gens qui ont même cinq chambres. Mais tu peux arranger une chambre. Tu laisses ça. C'est une chambre qui est pour tes enfants. Une chambre que c'est pour ta famille. Pas que n'importe qui vient boire le vin, qui saoule, qui tombe au sol. Tu dis que voilà, la chambre va dormir. Les gens entrent même dans les maisons, les gens avec les mauvais esprits. Tu peux ouvrir ta porte, ta chambre, chez toi, à tout le monde comme ça. Non. Quelqu'un peut même déposer le coup là-bas. On appelle la police. Tu vas partir en prison. Regarde le fonctionnement de tes copines. Regarde le fait qu'elle a filmé. Regarde tous les vendeurs de coup qu'elle amène chez toi. Mais tu es en danger, ma belle. Tu es en danger. Avec des personnes comme ça, tu es carrément en danger.
Tu imagines? Remercions le Seigneur que elle a seulement filmé ses propres asticots pour balancer. Elle aurait fait pire. Elle te tend le guet-apens. On dépose le coup dans ta chambre. Elle arrange ça avec un petit robe, un petit cassa. On dépose le coup. Elle descend en bas, elle appelle les nièces. Elle dit qu'il y a le coup là-bas. Tu es parti en prison. Et tu go en prison. Est-ce que tu penses que tu as ta famille? Tu as tes enfants? Tu as Enamungwe? Tu ne peux pas laisser une chambre pour Enams? Enam que tu aimes tant. Quand elle vient là-bas, elle dort comment? Toujours ces rapaces-là, ces racailles-là, ces rapaces-là qui sont là. Tu penses que même tes enfants seront contents? Même tes enfants seront fiers? Que tu laisses toujours ta... Tu donnes toujours aux gens. Toi-même, tu occupes le salon, tu donnes tes deux chambres aux gens pour les aider. Ils t'ont apporté quoi depuis? Ce sont les mêmes qui t'insultent, la preuve. Ce sont les mêmes gens qui t'insultent. Avec tous les espérants que tu as en Europe, tu n'arrives pas à comprendre. Tu as eu le point avec combien de personnes que tu as hébergées. Les loups pipis sont venus là-bas taper le cou dans la chambre. Elle avait dit qu'elle pouvait même tendre le guet-apens. Elle venait taper le cou, elle dormait là-bas. Tous dorment chez toi, mais ils viennent dire que tu es sale. C'est incroyable. Mais comment elle est, vous dites qu'elle est sale, c'est vous qui partez chez elle, on ne l'a jamais vu chez quelqu'un. Elle est toujours chez elle, une place, sur son fauteuil. Et son Facebook. Facebook peut servir d'amis et de famille. Vous savez, quand tu as ta connexion, tu n'as pas besoin des amis. Vous qui êtes derrière là, quand tu vous êtes 1900, ça fait 1950 d'amis. Tu peux causer comme ça du matin au soir. Tu n'as pas besoin des histoires des copains qui viennent te rendre visite. Oui, tu peux faire des gens virtuels à ta famille. Tu n'as pas besoin de ces personnes-là. Tu n'as pas besoin. Regarde comment tes filles, tes filles t'ont fait la surprise. Elles ont refait ton salon. Elles ont arrangé ta maison. Ta télé que Pupi insultait tes vieux meubles en disant que ce sont les vieux meubles que ton mari, que c'est tout ce que ton mari t'a laissé en mourant. C'est Lolo Pupi qui avait dit. C'est elle qui insultait tes meubles lorsqu'on a rangé ta maison. Quand on a fini, ça n'a pas empêché qu'elle vienne s'asseoir. La veuve, fais-toi respecter. Je suis désolée. Tu ne te fais pas respecter. Je suis désolée, n'est-ce pas? Avoir la grande gueule ne veut pas dire que tu dois imposer ton respect. Et ton respect passe par ton comportement. Je suis désolée. C'est à toi d'imposer ton respect. On est là sur Facebook. Regarde, tous ces jours-ci là. Tu ne dors pas. Si tu tombes là, qui perd? Qui va perdre? Bon, Mado de Paris qui est décédé. Est-ce que tu as entendu? On a trop parlé de ça. C'est sa famille qui la pleure. Si tu tombes là, la veuve. Parce que pendant qu'on fait les directs, on tongo. Si t'arrives un truc là, qui va perdre? Les gens vont dire que ouais, la veuve, je partais manger là-bas. Oh, la veuve, après ça va s'arrêter là. Alors, essaie de te ressaisir. Si tu veux, tu prends mal. Tu vas t'asseoir, tu m'insultes, je t'insulte. Tu peux même m'insulter et décider de ne pas t'insulter. C'est un choix. Ce que tu es en train de vivre là, moi, ça me plaît pas, je suis désolée. Ça me plaît pas ce que la veuve est en train de vivre là. Elle doit choisir ses amis. Elle n'est pas obligée. Vous savez, on choisit, pas pour ouvrir ta main, on choisit pas la famille. Mais les amis, ça se choisit. En Europe, même la famille se sépare jusqu'à... Je dis qu'ici, en Bé, la famille même permet même jusqu'à ce que le bonjour... Quand tu passes ici, quand tu passes là-bas, la famille ici en Europe. C'est quoi? Il faut aussi qu'on dise la vérité à la veuve, qu'elle choisisse, qu'elle essaie un peu de se retenir. Elle a quand même ses deux grandes filles et un petit enfant. Peut-être bientôt, elle aura encore ça. Fait deux. Hein? C'est pas possible, ça. Tout ça là, tous ces gens qui sont en train d'insulter la veuve, là, aujourd'hui, tous ces soeurs là. Le problème c'est que, ce qui me choque, je ne vais pas vous mentir, moi je ne suis pas rancunière, c'est vrai, mais je suis choquée de voir cet acharnement et c'est une personne fragile. Je suis désolée. On n'a pas besoin, c'est une personne, là elle a atteint. Vous n'avez pas pitié d'elle, vous n'avez pas pitié de... Non, il faut qu'on se dise la vérité. Ça, c'est du harcèlement. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si vous jugez que... Tu es en train de quand tu juges qu'elle est sale, tu fais sa vaisselle. Comme j'ai fait sur... J'ai beaucoup ici là qui ne peuvent même pas reconnaître. Quand j'entre chez une amie, hein,
La première chose que je fais, je commence à... Vous ne m'envoyez même pas les étoiles. Et qui est... Ah, comment vous êtes devenu chiche comme ça? Quand j'entre chez une amie, la première des choses, je commence à regarder un peu. Je commence à lui proposer que, ah, tu peux même changer quoi? Et est-ce que tu peux mettre... Parce que moi, j'aime la décoration. Je vais d'abord commencer à proposer que, bon, si tu fais ça, ça serait joli. Et ça, ça serait joli. Maman, amie, regarde. Oui, mon bébé. Donc, il faut foutre la paix. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu chantes? Tu travailles? Il faut encore. Si tu n'es pas encore, il y a que... Ah, c'est le meilleur télé. Non, télé, oui. Pardon, je vais perdre le temps. Il y a 2000 personnes. Si tu mets la télé, il y a téléphone. Allez dans la chambre, je veux, pardon. Parce que le volume va faire que je ne vais rien pointer. Je vais te parler comme ça, genre. Va prendre mon téléphone, vous allez regarder. Maintenant, tu as ta switch. Tu vas prendre ta switch. Donc, je dirais que ma chèvre sur Facebook, c'est, je vais parler du problème qu'il y a entre Lolo Pipi et Lolita la Baronne. Je supporte Lolita la Baronne jusqu'à demain. Donc, à partir de demain, c'est le direct tous les jours, tous les jours. Dès qu'il arrive en Californie, à Los Angeles, je m'assois tranquille. Les directs sur direct, direct sur direct, décryptage sur décryptage. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que la publicité passe, s'il vous plaît? Est-ce que la publicité passe? Waris, j'ai aussi quelque chose à te dire. Tu es un petit que j'apprécie. Voilà pourquoi je viens dans tes directs. Je ne viens pas parce que je viens pour te donner la force. Quand tu étais ami avec Lolo Pipi, la pisseuse internationale, elle te donnait la visibilité que je te donne. Que Maman Pépé, que nous tous on te donne. Parce qu'elle est ingrate. Parce qu'elle n'a jamais fabriqué personne. Même sa propre soeur, elle n'arrive pas à fabriquer. Elle n'arrive pas à fabriquer. Moi, demain, tu vas dire qu'on ne t'a pas fabriqué, c'est vrai. Mais on te motive. On te donne la force pour que tu aies les abonnés. Parce que moi, quand j'appelle dans un direct, c'est pour donner la force à la personne. Oui. Parce que vous ne pouvez pas m'apporter la visibilité. C'est moi qui vous apporte la visibilité, en fait. Parce que je suis connue. Et quand je suis quelque part, ça monte. Je suis suivie. Donc, quand je viens dans ton live, peut-être comme ça que tu es. Mais il faut que tu apprennes à parler aux gens. Il faut que tu apprennes à parler aux gens qui viennent dans ton live. J'ai décidé de ne plus jamais venir appeler dans ton live. Parce que c'est un manque de respect, je n'apprécie pas. Tu manques le respect, mais j'ai l'impression que tu ne te rends pas compte. On ne vient pas chez toi parce qu'on manque les directs, voyons. On vient chez toi parce qu'on aime bien Balata, on aime bien. C'est ça, moi, même ma soeur, on tape le divin, on aime bien. Quand je cherche pas, tu es pas chez toi, j'écoute, j'aime bien. Mais il faut que tu changes ta façon de parler aux gens. Il faut que tu changes ta façon de parler. Je suis désolée de te le dire en live. Parce que tu l'as fait plusieurs fois en live, je profite pour te le dire en live aujourd'hui. Oui. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui prennent les choses, qui ne prennent pas comme d'autres. Oui. Il faut que tu saches que quand nous, les blogueurs, on vient dans ton... Là, c'est pour te donner la force. Tu nous as vu aller chez qui? Comment on vient chez toi? Chez personne. Même, voilà, Chouflore Choupiné, même les abeilles qui font les directs. Je n'entre pas là-bas comme ça. Mais je viens chez toi. Il faut que tu aies un peu de retenue. Et le problème de Elisabeth et sa copine, j'aimerais plus que tu en parles. J'aimerais plus que tu fasses un détour là-dessus. Tu as dit connaître Eve avant Elisabeth. Dis-moi, est-ce que tu leur as déjà essayé de les asseoir pour faire une réconciliation? Pour qu'ils s'expliquent, pour qu'ils s'arrangent. Tu es un homme après tout. Tu es un petit frère, tu es un homme. Tu peux jouer à ce jeu. Elle est venue chez toi. Elle a participé. Dans ta maison, elle a participé. Sa copine était chez toi. Que ce soit elle qui l'a invité, que ce soit toi, ce qui est sûr, c'était chez toi. Tu pouvais faire que ça là, ça n'arrive pas. Je ne t'accuse pas.
Mais tu as ta part de responsabilité dans ça. Parce que c'est chez toi que ça a déclenché. Tu connais comment la veuve est. La veuve ne peut pas te dire un truc. Tu viens dire que non, la veuve, tu manges, je vais te répondre. On ne répond pas à tout le monde, mon petit. Tu t'es apprise à tête avec la veuve, mais tu étais là, tu as été là-bas. Le jour qu'elle arrive chez toi, ça se passe, vous passez une belle soirée et tout. Je ne vais pas entrer, je vais épargner certains détails. Mais c'est elle qui finance. Ça s'appelle profiter de quelqu'un. Vous avez profité d'elle. La veuve, hein, c'est une femme qui est très gentille. Elle est très gentille. Mais sa gentillesse n'enlève pas son mauvais côté. On est tous humains. C'est une femme qui est gentille, elle est sympathique. Sincèrement, c'est une femme qui est très gentille. Mais elle a son mauvais côté, qu'elle n'a pas de retenue quand elle parle à quelqu'un. Ce n'est pas à tout le monde qu'on fait ça. On ne fait pas ça à tout le monde. On ne s'attaque pas à tout le monde. On ne répond pas à tout le monde. Ève, ou c'est Ève. J'ai du mal à prononcer son nom comme je ne la connais pas. Elle n'est pas la personne avec qui la veuve devait avoir autant de problèmes. Tu as ta responsabilité dans ça. Balata. Tu as une part de responsabilité. Quelqu'un vient chez toi. Vous commencez à parler de Facebook. C'est Eva. Ok. Elle vient chez toi. Vous commencez à parler. Elle pose son sac. Elle part. Elle va rester à la gare. Elle lance un direct. Tu pouvais la suivre. Après tout, tu es un homme. Quand bien même elle rentre chez elle, tu ne l'as jamais appelée pour demander est-ce que tu étais bien rentrée. Mais entre-temps, sa copine qui est Eva, elle vit chez toi. Elle est souvent chez toi. Et tu n'ignores pas qu'ils ont souvent eu ce genre de tracasseries. Ils se sont déjà pris la tête comme ça. Quelque part, tu as ta part de responsabilité. Quand tu as deux personnes qui ne s'entendent pas, tu ne les mets pas ensemble. Tu peux côtoyer deux personnes qui ne se fréquentent pas. Mais tu ne les invites pas ensemble. Tu connais le comportement de tout un chacun dans ça. Donc, il faut que tu calmes Eve. Eva. À toi, Eva, la veuve, c'est ton amie. C'est ta sœur. Si vous connaissez depuis, c'est ta sœur. Tu lui as fait du bien, comme elle t'a fait du bien. Mais le bien que tu lui as fait est venu l'exposer sur les réseaux sociaux comme tu l'as fait. Ça a enlevé tout. Le mal que tu lui as fait en venant l'exposer sur les réseaux pour une personne qui vend la nourriture. Les gens vont beau dire, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Non, ça fait quelque chose. Ne nous mentons pas. Moi, je ne suis pas dans le faux. Ne nous mentons pas. Toi, on ne te connaît pas, Eva. C'est la veuve qu'on connaît. Tu sais que la veuve en guerre avait au moins 10 000 personnes sur les réseaux. Tu sais qu'elle a cotisé beaucoup, beaucoup de djangui. Tu prends un tel colis, tu mets sur les réseaux sociaux. Les gens ne peuvent pas s'en prendre à toi, on ne te connaît pas. Nous, on ne te connaît pas. C'est elle qu'on connaît. En de quoi? De ce quoi elle vend la nourriture? Mais il faut aller ou quoi? Il faut arrêter. Il faut arrêter, elle vend la nourriture. Que les gens arrêtent de voir et que non, ça ne fait rien. Non, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Quand les gens vous hébergent, évitez d'entrer dans leur intimité et de faire certaines choses. Être invité chez elle. Tu n'as pas le droit. Quand tu filmes, vous n'êtes pas en problème. Tu filmes parce que tu attends quelque chose. C'est pour avoir le chantage. Pour que quand tu lui demandes peut-être l'argent pour acheter un repas, quand elle te dit qu'elle n'a pas, tu veux jeter tes vidéos. Mais tu as balancé. Et alors, dans une semaine, dans trois jours, on ne parle plus de ça. Tu vois, ça va faire quoi? Ça va changer quoi? Hein? Qu'est-ce que ça va changer? Il faut arrêter. C'est comme ça que vous venez détruire les gens. Est-ce que tu es la dernière personne qui pouvait lui faire ça?
Parce que nous, on passe les autres insultes. Les autres insultent, mais les autres ne connaissent pas ton intimité comme toi. Tu la côtoies. Tu sais comment ça fait mal ce que tu as fait? Eva. Moi, je voulais te dire, Eva, s'il te plaît, avec tout l'amour que la veuve a eu pour toi, ne balance plus les choses sur elle. La vérité, c'est que c'est elle qui a partagé ton mur. Je lui ai dit, mais pourquoi tu peux partager des choses comme ça? Elle, on ne la connaît pas. On m'a dit que Eva, les gens vont commencer à taper. Ils ne vont pas trouver. Mais toi, tu prends, tu partages sur ton mur. Pourquoi? Même si ça ne te dit rien, tu n'as pas partagé. Donc, c'est la veuve, je voulais te dire, en fait, pour dire que c'est la veuve, Eve, c'est la veuve qui a fait ta publicité. C'est elle qui a partagé ton mur, en fait. C'est elle qui a parlé. Moi, j'ai vu ça que sur sa page. Et je lui ai dit que non, il faut enlever. C'est pas bien. Quelqu'un vient te salir et tu mets ça comment? Même si tu dis que ça ne te dit rien, non, ça dit quelque chose. Moi, ça m'a fait dégueuler. J'ai pas aimé du tout. Je n'ai pas aimé, sincèrement. Donc, Eve, il faut laisser. Les abeilles, vous savez quoi? Quand il y a souvent les choses, vous venez dire soutien, soutien, soutien. La veuve vous a répondu hier. La veuve n'est pas tombée dans les toilettes. La veuve n'est pas malade. Quand vous avez commencé à poster ces photos soutien à la veuve, non? Oui? Je parle parce que je suis une blogueuse. C'est une personne que j'apprécie bien. Les gens qui veulent l'appeler que veuve asticot là, dites plutôt que Eve asticot. Il faut plutôt parler, c'est sa copine qui a filmé, c'est elle qui est ma asticot, ce n'est pas la veuve. Tous ceux qui parlent là, vous commandez la nourriture là-bas. Et vous allez continuer à cotiser. Donc c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, en disant que quand quelqu'un vous héberge en Europe, le pays, sinon, trouver quelqu'un qui te donne où dormir, même si c'est debout, ce n'est pas facile. Il faut respecter la personne qui te donne où dormir, même si c'est un jour. Ces deux amis qui se sont déjà bien engueulés, donc ces deux meilleurs amis, ces deux sœurs, je les appelle à la réconciliation. Eva, il faut calmer ton cœur. Tu n'es pas une personne qui fait les directs. Et si tu ne veux pas calmer ton cœur, tu fais un direct. Tu fais un direct parce que nous, on ne va pas passer des jours comme ça, seulement sur ton janky. On a d'autres chantiers. On a le chantier de Lolo Pipi, là. On a son gros chantier. On ne va pas s'attarder sur vous. Moi, je dois commencer les directs. Je pense que je vous ai quand même laissé quelques jours. Elle a bouffé son djangui. Je pense que c'est bon, là, à partir d'aujourd'hui. Je retourne au travail, à partir de 20h. Il faut que je bosse. On a déjà trop entendu asticot, asticot, asticot. Et alors, il n'y a rien d'autre. Fais un direct. Mais toi, tu mets le fitrata, tu fais un direct. Tu finis de parler ce que tu as parlé. Tu pars, on continue d'autres chantiers. On a trop de chantiers. Moi, j'ai des chantiers blessés de guerre, là. J'ai le chantier de l'eau, pipi, son gars est parti. Papa Fodja est parti avec un autre. Il vit son live là, très très amoureux. Coco amoureux. Il est même coco. Il est trop trop beau. Donc moi je ne peux pas accepter qu'on continue sur le chantier des asticots. Non. Nous on rentre sur notre chèvre de Facebook. Sur notre moins cher que. Hein? C'est là-bas que nous on go. C'est comment? On a les révélations là. C'est quoi asticot, asticot, c'est quoi? Nous on ne veut plus. C'est bon, là. C'est, je dis qu'aujourd'hui, c'est terminé. On ne parle plus de ça. On ne parle plus de ça. Le soir, je viens avec le chantier. Oui. Maman, maman Pépé fait à 18h. À 20h30, je prends le relais. Et ça sort comme ça tous les jours. Vous croyez que quoi? Nous, on va pas travailler. On doit nous éterniser. Elle a assez bouffé. Elle a assez bouffé. C'est quoi? Donc, nous, on va rester, on va pas travailler parce qu'il faut toujours parler que le chantier asticot. Non, le chantier des asticots, non, c'est bon, non? Ma copine dira de suite, après je fais le remember. Je continue, moi, je dois travailler, mon frère. Moi, je n'ai rien travaillé là depuis.
Comme j'étais malade, j'étais vraiment malade. On doit travailler. Pipi, son gars est parti encore avec la mère de son enfant. C'est de voir le nouveau chantier. Vous cherchez quoi? Sur ce, non. Il est 14h, je parle. Que quoi? Arrête de boire tes noyaux. Tu as compris, non? J'ai les chantiers là, beaucoup, beaucoup. Hein. Je vais dormir aujourd'hui. J'ai eu ma reine-mère au téléphone. Donc, il faut arrêter d'accuser. Il faut arrêter. Sur ce, je vous embrasse. Bisous, bisous. Il faut que j'aille prendre mon train. Je suis venue voir ma soeur là. Donc, du coup, il faut que je parte. Oh là là. Rendez-vous cette semaine à Los Angeles, en Californie. Comme je ne peux pas mes valises et tout et tout. Et n'oubliez pas de commander votre lait Perfection qui est de retour. Hein. Je remercie tous mes partenaires. Hein, tous mes partenaires. Perfection by Nadège de Paris. Imparfait. Mikasa. Et tous mes partenaires. Donc, rendez-vous à 20h. La veuve, il faut que tu sois très, très forte. Travaille ton tédo. C'est la fin de ce mois qu'il nous dira. Il faut bien travailler. Bisous. Les gens signent sur les choses sur Facebook. Vous croyez que c'est pourquoi? Facebook, ça rapporte. Ça rapporte. Les gens signent dessus par rapport au dos. Moi, même si je vois un sujet qui veut signer là-bas, il signe. Mais on a les révélations sur Lolo Pipi. Et compagnie. Son gars est go. On va revenir sur son direct où elle fait entrer un homme dans la maison. Elle a fait entrer un gars de la basse dans la maison qui la gnasse au salon. Gars la combo propre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je vous fais un gros bisou à tout le monde. Bonne journée. Bye, je vous aime. À ce soir.